Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Hypnotic Marc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de démos sur GT Manager 24. C'est un jeu qui va reprendre, bien entendu, la compétition de GT. Et c'est un jeu de gestion dans lequel on va pouvoir choisir notre propre équipe, notre propre écurie et avancer ainsi de suite. Moi, ça me rappelle beaucoup Motorsport Manager qu'on avait à l'époque, un peu comme F1 Manager, mais avec la catégorie GT aussi. Bref. Bien hâte de découvrir ce jeu et je suis bien heureux de vous retrouver comme vous voyez. Eh bien on est là sur le jeu, c'est sur une démo lors du festival Steam Next Fest. Je vous rappelle que vous avez toujours le lien du jeu dans la description, n'hésitez pas à wishlist parce que ça aide toujours les développeurs. Et en parlant de développeurs, ceux qui ont fait GT Manager, c'est de Tiny Digital Factory. Le jeu n'a pas de date de sortie ni même d'année, il s'appelle GT 2024 donc... Techniquement, on s'attend que ça va sortir en 2024, mais il comprendra les vraies voitures, les vrais pilotes et les vraies écuries dans la vraie vie. Donc ça, c'est très très cool. Il nous apprend un petit peu les différents éléments. Et on voit notre voiture qui est là, donc la 778 Cayman GT4 RS Club Sport. Et voilà, j'ai bien hâte de voir le jeu. Je vais juste aller voir les petits paramètres qu'on a de notre côté. On est en Very Good, donc ça c'est parfait dans les settings. Il n'y a pas beaucoup de settings au début. Je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on est juste dans une démo, parce que je vois un petit peu que c'est un petit peu baveux, mais on est en 4K, donc c'est peut-être pour ça. Alors c'est maintenant le temps d'arriver dans le championnat avec notre écurie Hypnotic Marc Racing, une écurie supportée par Porsche. Donc une saison est comportée de 10 courses dans lesquelles on doit courir à travers le monde, bien entendu. Et bien entendu, plus on arrive haut, plus on est bien. Donc il y a des courses sprint, il y a des courses normales. Je ne sais pas tout ce qui est débloqué, il va y avoir seulement 3 courses de disponible. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous rappelle, le jeu est toujours en développement, donc tout ce qu'on voit, ça ne veut pas dire que c'est le résultat final. On le découvrira bien assez tôt lorsque ce sera disponible. Alors, je vais baisser un petit peu le son là, qui est assez puissant. Donc du coup, on a nos deux voitures là. Je ne sais pas trop ce qu'ils font là, parce qu'on n'a pas de temps ni rien. Ça doit être le qualif ça. Ouais, voilà. Donc qualification, en pole position, nos deux voitures qui sont en pole position. Et ça, c'est bien. C'est bien. Est-ce que c'est logique? Je veux dire que oui. Alors, avant chaque course, nous pouvons bien entendu choisir les types de pneus qu'on va équiper. Lorsque la météo est sec, on va prendre des pneus soft qui vont permettre d'avoir une meilleure performance, ou des médiums pour réduire le nombre d'arrêts. Donc, on a Mararo Engel et Daniel Runcadella qui est là. Deux personnes, donc on va faire des médiums qui va nous permettre tout simplement du côté de Candela de pouvoir, vous voyez que chaque pilote a des points de compétence aussi, il y aura les vrais pilotes et tout ça. Bon, on est assez sur la base, on se cachera pas. Et on va donc partir pour cette course. Qu'est-ce qu'on peut gérer dans la course? On va le voir aussi. Moi, c'est vraiment le genre de jeu qui m'intéresse et je suis persuadé que vous aussi, étant donné que j'ai un passif sur les jeux de sport, de course, etc. On verra bien ce que ça va donner, donc... C'est parti pour cette première course de cette démo sur GT Manager 2024. On voit qu'on a beaucoup moins d'informations à donner. On peut bien entendu directement dire de pusher, d'avancer la course aussi. On va voir également ce que ça va donner. Donc ouais, et donc on peut dire à Engelen d'avancer plus vite. On voit que John est juste derrière, donc John Cadella. On peut avancer aussi. Ça c'est bien, on peut rester. Est-ce qu'il y a 7 tours? Cette tour, Engelen y est bon. Engelen est bon, on va peut-être lui demander de ralentir le rythme. On est très protégé par notre pilote. Du côté de notre pilote de Juan Cadella, on peut accélérer le rythme aussi parce que... comment je fais pour changer de pilote là? Est-ce qu'on peut... Là, pour pouvoir changer de pilote de caméra, il faut que je clique. J'aurais aimé un truc plus rapide quoi. Du côté d'Engelen, on va reprendre le rythme normal. On voit la qualité des pneus là. On est moteur AC1 et Runcadella qui a pris les devants. L'important c'est qu'on finisse 1 et 2 quoi. Parce qu'au final, Runcadella qui est très rapide. Engelen, il va falloir. Engelen. D'accord, on a un problème de moteur donc on va arrêter. On va mettre des softs. Pour Runcadella qui menait le Grand Prix, mais il va falloir, là on semble avoir un problème de moteur. On arrête du côté, le moteur est bon, du côté de Engel, on va y arriver, il faut aussi s'arrêter. Donc on voit que c'est beaucoup plus simple en termes de gestion, mais c'est pas non plus, là vous voyez pas en bas, hein, mais c'est pas...
Je cache pas grand chose, mais voilà, donc c'est pas non plus très très poussé en termes de conduite et tout ça. Donc Marco Engel, ça a brisé, donc voilà, donc son véhicule malheureusement a brisé, donc on va faire quand même on va se retirer. Rhône est deuxième, on va faire un autre arrêt parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est 2 à 3 tours, donc des arrêts quand même assez réguliers. Je sais pas si dans la vraie vie c'est comme ça, je crois pas. Hein. Je crois pas que c'est la même chose. Donc il faut vraiment se dépêcher d'arrêter avant qu'on arrive à ce niveau-là. Voilà, on peut voir le pit stop. Ah, c'est le dernier tour. Dernier tour, donc on va dire à notre pilote de foncer sur la machine au maximum. On est 7e en ce moment. On finira 7e. Bon, vous voyez que la gestion, c'est pas du tout le même type de gestion. On a fini 7e et 11e alors qu'on partait 1 et 2. C'est très décevant, on se le cachera pas. On verra un peu ce que ça donne, mais on a vu qu'on a eu des problèmes moteurs. Donc on verra. On a gagné l'expérience qui nous permet maintenant d'avoir du marketing. Et là, ben, on peut ouvrir et tout ça. Moi, ce que je veux savoir, par exemple, Car Factory, qu'est-ce qu'on a? Donc on peut décider d'augmenter notre véhicule handling, tire et toy speed. D'accord, donc on a vraiment des éléments et là on peut entraîner, upgrade, on a encore monté de niveau, donc il y a vraiment des trucs comme ça qui peuvent augmenter et tout ça. J'avais pas fini de regarder, voilà, donc on peut upgrade le châssis. Est-ce que c'est... Ouais, c'est le même... Ça a l'air d'être le même moteur pour les deux. D'accord, on peut choisir ce qu'on veut. Le directeur, d'accord. On peut choisir ce qu'on veut. La suspension, on en a qu'un. Les freins, on en a qu'un. On en a deux. On a des freins comme ça. Moi, je pense un frein comme ça, ça sera mieux. Et pour le steering, on a ça. Donc voilà, on voit notre capacité de véhicule. Vous voyez, c'est très simpliste en termes de trucs qu'on peut faire et tout. Mais ça va quand même pas mal. Alors, du côté des pilotes. Vous voyez qu'on peut entraîner notre pilote. On continue de monter de niveau. Hein. Je pense que la démo a accéléré le tout ça, quoi. Ouais, tu vois, donc on a des trucs qu'on peut pas encore construire, même si on monte de niveau. Donc, ce que je disais, oui, c'est qu'on peut s'améliorer. On a d'autres pilotes qui sont bien moins bons, clairement. Donc, on peut quand même entraîner. D'accord, on ne peut pas les mettre training department, d'accord, il faut avoir le training department pour augmenter. Car Factory est en train de faire ses recherches. Du côté du garage, comme je le disais, on a plusieurs garages, on a la Lotus. D'accord, on peut voir un petit peu la durabilité. Ouais, donc on peut choisir plusieurs véhicules, donc on peut soit rester avec Porsche, soit changer. Ça, c'est bien. Et au fur et à mesure on augmente. Ça a l'air vraiment cependant au type de la monnaie. Est-ce que ce sera un jeu gratuit à sa sortie? Peut-être, on n'a pas d'informations sur le modèle économique du jeu. On verra bien ce que ça va faire. Participer aux courses nous coûte bien entendu de l'argent. Là on est aux Émirats Arabes Unis pour cette deuxième round. Une course sprint de 7 tours. Les qualifs me font quand même très vite. Est-ce qu'on sera capable encore de se qualifier 1 et 2? Je ne sais pas. Peut-être 1 et 3, 2 et 3, 1 et 2. On a réussi à la toute fin 1 et 2 et c'est encore Engelen qui sera premier en pole position. Bon, là du coup, 3-4 tours. On va se mettre en médium les deux. On va se mettre, pour Ron Cadella, on va se mettre en pneu medium, tendre. Vous voyez, on voit un petit peu la stratégie des autres pilotes aussi, donc c'est intéressant. Alors techniquement, Cadella devrait dépasser notre ami là. Voilà, il dépasse. Cadella est premier. Il faut faire attention à tout le moteur et tout ça. Là.
F5 du côté d'Angolan. Toujours bon. On va s'arrêter, on va mettre des médiums du côté de Roncadella par la suite. Là, on peut y aller à fond. Angolan est 6e, du côté de Roncadella, on est 8e, mais on s'est arrêté. Angolan a un problème de moteur, mais on devrait rentrer à temps. Voilà, on est rentré à temps. Roncadella qui est premier, là. Clairement, on va s'arrêter. On prendra pas de chance. Pas mal d'avance en prêt, donc c'est parfait. Hein. Il y a Galen qui est 7e. Hein. Nous, on est 2e. Non, je pense que j'ai fait exploser encore. Ah non, il est rentré en pitlane juste à temps. D'accord, et là ce que je vois, c'est qu'on peut augmenter notre... Ça c'est bon à savoir, on n'a pas besoin de s'arrêter directement, on peut rapidement monter tout ça. Là. Bon, on finira 2e et 13e sans doute. Qui réussit à dépasser quelqu'un, mais je crois pas. Bon, il a pas réussi. Mais 2e, on gagne 26 points. 3 points quand même pour Angolan qui finit en dernière place, qui donne des points. Donc c'est mieux que rien. Mieux que rien, mieux que rien, mieux que rien. Du côté du marketing, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut faire des objectifs et tout ça. On a des sponsors aussi. Marchandises, on ne l'a pas encore. Et ben voilà, ben je pense qu'on a une seule course à faire techniquement, allez-y, et après ce sera terminé. On est 5e, donc c'est pas mal. Compte tenu qu'aucune idée le jeu nous met en quelle difficulté, on n'a pas pu voir à quoi ça ressemblait. Donc il y a moyen de rester plus longtemps sur la piste si on réduit le rythme. Donc ça c'est bon à savoir. C'était pas très clair les petits pictogrammes. Et est-ce qu'on sera en 1 et 2 encore? Oui, 1 et 2. Donc là, techniquement, on doit réussir. On doit réussir à bien placer. On va se mettre en médium tous les deux en premier. Pour tenter de pousser un peu plus notre moteur là. Actuellement, on fait pas la même stratégie pour les deux pilotes. On a décidé autrement cette fois-ci, mais on verra bien.
Colin, on va lui faire un arrêt, un premier arrêt. C'est qui passera. Hein. Du côté de Jones qui est troisième, il doit se battre là. Très bien géré. S'arrête, c'est côté de Ron Cadella. Assis sur ça, je pense qu'on peut pousser, clairement. Si bien que ça, cette troisième course. Bon, c'est pas le même truc. Bref, on voit un petit peu recherche et développement, avoir notre propre, avoir des challenges, les pratiques aussi qui vont nous permettre, des coupes de manufacturiers. Bref, le jeu, cette démo était très très courte, vous voyez, déjà une quinzaine de minutes. Bref, dans tous les cas, ça s'appelle GT Manager 24. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et bah, nous, on se dit à très bientôt pour la découverte de d'autres jeux de Steam NeoFest. Il m'en reste quelques-uns à faire avant de obtenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo directement du gameplay. Pas nécessairement montage, je vous présente le jeu. Pas d'intro, pas d'outro. On y va, on y va, on y va, on fonce. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.